facile après les 30 km d'hier. Ça va. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous retrouve dans un nouveau vlog, le deuxième normalement. Nous sommes lundi aujourd'hui, donc nouvelle semaine, nouvelle folie. Ce matin on s'est levé à 3h30 pour venir faire le lever du soleil au Maïdo, qui est un des plus hauts sommets. On peut y accéder en voiture, donc trop bien. J'avoue, quand le réveil a sonné, j'avais pas du tout envie. J'ai failli dire on n'y va pas et on dort tranquillement. Et finalement, ça valait le coup, c'était incroyable. Du coup là, on se dégourdit un peu les jambes avec une rando trop agréable dans la forêt qui en même temps passe sur les remparts. Donc il y a des jolis points de vue et j'ai hâte de cette nouvelle semaine. On va beaucoup bouger. Il va y avoir du trek dans Mafate, de la plongée et ensuite en fin de semaine, je vous spoil pas, mais on reprend l'avion pour aller sur une autre île, une île très sauvage encore, où on va vraiment déconnecter, ça va être incroyable. Oh oui! Bon, ça valait le coup de monter. Oh. Ça c'est le Piton des Neiges. Ouais. Oh. Et ça c'est la parapente. Merci monsieur pour le timing. T'es d'accord pour dire que c'est un des plus beaux points de vue qu'on ait fait sur nos deux séjours à La Réunion? Même par rapport à hier qui était déjà exceptionnel. Oui, parce que là on est plus en hauteur donc... ouais, on est... plus global. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu un truc aussi gros. Mais comment ça me dégoûte, moi je suis incapable de faire quelque chose. Tu passes pas la vie avec nous, tu regardes pas Harry Potter avec nous. On part en plongée ce matin. Oui, oui. Hier on a passé une journée trop bien. Là on est sur le départ de Saint-Leu. Du coup je suis un peu triste. Elle était tellement bien cette maison, on en a trop profité. Et Saint-Leu ne déçoit jamais, l'Ouest ne déçoit jamais. Franchement c'était trop cool, il y a tellement de choses à faire. Et tu manges bien et t'as le lagon. Mais là il y a d'autres aventures qui nous attendent. Et je voulais vous raconter la journée d'hier parce qu'hier on a plongé. Et si vous avez regardé les vlogs de l'année dernière, j'avais fait mon baptême de plongée donc à Saint-Leu pareil. Et là on est retourné au même endroit, sauf que cette fois on a pu faire une plongée beaucoup plus longue de 40 minutes. Et c'était vraiment incroyable, enfin moi j'ai vraiment trop kiffé, je me sentais trop à l'aise par rapport à l'année dernière. Pendant le baptême en fait, tant que tu comprennes bien tout, que tu sois à l'aise, bah hop c'est fini vu que ça dure que 15-20 minutes. Alors que là bah, en 45 minutes de plongée, bah, t'as le temps de commencer à vraiment te balader, te promener comme tu veux. Et donc là j'ai trop aimé l'expérience. Je me dis il faut vraiment que je passe mon niveau 1 pour pouvoir être un peu plus libre et pouvoir plonger un peu où je veux. On a pu aller dans une petite grotte, aller dans des failles et tout. Enfin, c'était tellement plus complet que l'année dernière. Ensuite on est allé manger dans un resto à Saint-Leu. Je crois que c'est un peu un nouveau resto. Ça s'appelle le Château de Sable. Tout le monde nous en parle. Et il y a aussi la cantine du Château de Sable qu'on avait fait la veille et qui était délicieux. Donc là on était trop contents après la plongée. Petit resto avec vue sur la mer. Très sympa. On part direction le cirque de Salazie, puisqu'on va visiter un petit peu le village d'Hell-Bourg. Ensuite on dort pas très loin de Hell-Bourg pour demain attaquer un trek. On s'est pris un petit gîte tout simple pour ce soir et demain c'est dodo dans la nature. Vous avez le boudin ici c'est le samoussa, il est au poisson, le beignet de chouchou, le beignet de cac aussi, et la salade de chouchou ici. Waouh, je suis jaloux. Merci. Donc là on n'a plus vraiment faim, mais poulet vanille, des lentilles, du riz, un rougail et boucané, bringel. Allez. Petit gîte pour la nuit et on est vraiment super. C'est un gratin de chouchou. Du chouchou. Allez, pour 3. On garde les Monster Munch. Et hop. Texture. Ah, j'aime trop. C'est sucré. Oh la dingue. On a pris la grosse bouteille. Hein. On va bien dormir. C'est toi qui as fait ? En face, pleine de tamarins, contrebas là. Ok. Première étape, café, thé, ouais. Cacahuètes. On les a pas prises. Et ensuite on va descendre sur la Nouvelle. Ok. Une fois qu'on sera à la Nouvelle, on va basculer de l'autre côté, on va monter sur un autre plateau qui s'appelle la Plaine au Sable. Et là on basculera dans la rivière des Galets pour aller à Trois Roches. C'est le lieu où on campera. Trop bien, ok. Le Gros morne il est lié au sommet du Piton des Neiges. Oh, c'est fou. Ah bon, goûte pas trop non plus. Mmh. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est bon. Bon. Ah, c'est pas bon. Arrière-goût. Mais en fait, au début, c'est bon, ça goûte passion. Ça finit pas. Le réalisateur. Il n'y a pas d'accès au pied, donc zéro voiture. Il n'y a que le salarié, pas le. Comment il fait pour vivre vois. Et finalement, quand tu arrives dans le village, tu te dis « Ah, ils sont pas malins hein. !» Ils veulent retirer. T'as régalé. C'est quoi? Bah, tu vas me dire. Ah, géranium. Ouais. Rosa. Non, citrus celui-là. Oh, enfin. Non mais comment vous savez ça avant? Je suis allée au labyrinthe enchanté. Le thé? Le thé. Ouais, ouais. Et ils font du géranium rosa et citrus. Ouais. C'est mon cadre. Je suis à fond là. J'ai plus d'épaule mais... Bah, au fond, vous voyez d'ailleurs votre sentier que vous avez fait l'autre fois. Oui, canalisation. La canalisation des orangers. Ouais. En contrebas de cette canalisation, vous avez des petits toits qui dépassent. À la vôtre, bienvenue à la Mafate. À la nôtre. On vient de se faire une belle descente et là on arrive au niveau de la rivière de Galets et c'est là qu'on va dormir ce soir, se faire un petit campement. Et le temps se lève un peu, on dirait pas, mais regardez, il est là le ciel bleu et les garçons sont là. Ils ont un bon rythme ces deux là. Placement du campement. Expliquons les histoires des chats là sur l'île. Tu vois celui qui est à gauche, celui qui m'a pété à mon saucisson une fois. C'est le petit tigré. Oh, ils ont l'air mignons. Non. Ne leur donnez pas à manger. On a trouvé l'endroit où on va dormir avec les chats juste là par contre. Les prédateurs. Prêts à nous courir dessus. Petit réveil au bord de la rivière. On a bien dormi cette nuit. C'est trop beau ce matin. Beaucoup plus beau qu'hier où il y a eu de la pluie. Même cette nuit il y a eu de la pluie. Aujourd'hui c'est une plus grosse étape. Donc on va faire 14 km avec 900 de dénivelé positif. Donc ça va être un peu sportif aujourd'hui. Cette deuxième semaine est passée tellement vite. Demain, nous prenons l'avion pour les îles Rodrigues, où on va passer la dernière semaine. Mais c'est fou de se dire que ça fait 2 semaines qu'on est là. C'est passé tellement vite. Il y a tellement de choses encore qu'on aurait aimé faire, mais on a fait ce qu'on a pu avec le temps qu'on a eu aussi. En début de séjour, c'était un peu dur. Là, on a l'impression d'avoir bien profité, mais en même temps, que c'est passé en 2 secondes. Bon, heureusement, on a encore cette belle semaine à Rodrigues qui nous attend. Trop contente de découvrir une autre région de l'océan Indien. Si c'est votre premier séjour à La Réunion, franchement, restez à La Réunion le plus longtemps possible. 2 ou 3 semaines, c'est incroyable. Tu rentres pas trop frustré et encore, il y a tellement de choses à faire. C'est notre deuxième séjour ici. On s'est dit qu'on avait envie de voir autre chose. Et on a encore trop de trucs à voir. Enfin Madagascar, Mayotte, l'Afrique du Sud. On aimerait... Oh là là, il y a tellement de trucs par ici. Je viens d'animer mon premier cours de yoga aux garçons avec ce cadre-là. C'est très sympa de s'étirer avant de commencer le trek. Je vous retrouve après ces 2 jours de trek, je suis encore en tenue là. On vient d'arriver dans notre Airbnb. C'est juste une chambre proche de l'aéroport pour que demain on ait juste à faire 10 minutes de voiture, rendre la voiture de location et s'envoler. Je parle doucement parce qu'on est chez une dame, on est mort, archi mort. J'avoue que là, le retour était dur. Mon amoureux, j'avoue, sur la dernière heure, il a même porté mon sac à dos. C'est pour vous dire, il avait 2 sacs à dos sur lui. Ça, j'avais jamais fait encore. En vrai, j'ai même pas demandé. Il m'a proposé parce qu'il a vu que j'avais du mal à grimper. Franchement, c'était trop bien de terminer notre séjour ici par ces 2 jours hyper intenses au cœur de Mafate, au cœur d'un des plus beaux cirques de La Réunion. Enfin, meilleur moyen de profiter de la nature, en même temps des randonnées. Le bivouac, c'est génial. Enfin, il y a trop ton âme d'enfant qui ressort. T'es au milieu de rien, t'avais le bruit de l'eau. J'ai une mine là. Je suis blafarde. La vue. Non. Pas de plan log là. Mais si. Allez, raconte la journée. Je l'ai fait déjà. Oh non, putain. Quand tu prenais ta douche, t'es en retard. Tant pis. Mais j'allais raconter. Johan, en fait, j'ai même pas présenté Johan. L'année dernière, je vous avais parlé de Trail Réunion. C'est l'agence avec qui j'avais fait le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise avec eux. Et en fait, l'année dernière, mon chéri, il est aussi parti à La Réunion et il a connu Johan qui fait partie de l'agence. Et du coup, là, on a fait ce trek avec lui. Il est de trop bons conseils, il nous a fait un itinéraire génial. Même pour bivouaquer, bah du coup on avait un spot trop bien. Comme je vous disais, parfait pour terminer notre séjour. On s'est éclaté et on repart... T'es pas obligé de chuchoter hein. C'est vrai que je chuchote, si vous entendez rien. On veut plus de bruit, là faut aller chercher à manger, c'est une épreuve. Et qui c'est qui va aller chercher à manger? C'est Bibi. Pendant que moi, je vais prendre ma douche. Bref, je pense que je termine ce vlog maintenant d'ailleurs. J'avoue que mais je suis un peu cafard quand même de partir. Ah ouais, c'est l'enfer. On était vachement attachés à la voiture de location. Oui, ça je l'ai pas dit. On a donné un nom à la voiture de location. Tellement on l'aime. Elle galérait dans toutes les montées. Enfin bref, on s'en fout peut-être de ces détails. Comme je l'ai dit à la fin de mes vlogs à La Réunion l'année dernière, j'aime pas les au revoir. Du coup, j'ai toujours le cafard. Mais nous reviendrons. Of course. Faut aller se coucher là.